Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir matin pour ma vie, c'est un plaisir pour me recevoir dans la dévotion matinale. Et avant quoi que ce soit, je vais prendre du temps pour moi souhaiter une bonne année, souhaiter une heureuse année. M'espère que l'année, ça pour nous va être une année bénie, une année remplie de réussite, une année remplie de bonheur, une année côté n'a gagné pile résultats, résultats positifs et plus précisément une année de transformation. Et parlant de transformation, c'est justement thème ça n'a bien pour réfléchir pendant toute semaine dans la dévotion dans matin yo. Yon année de transformation. Commencez journée avec parole bon Dieu, c'est garantie une journée bénie dans présence bon Dieu. Merci infiniment pour fidélité yo. À Chanel Noir, merci pour fidélité ou à création de contenu nous. Merci parce que vous toujours bon mon feedback qui est positif, vous toujours fait me sentir que dévotion ça est important pour. Et dans la nouvelle année, j'espère que pendant l'année ça, Seigneur permettre que nous passions des bons moments ensemble pendant notre début de journée nous dans parole et dans présence li en bas direction. Li. Et comme d'habitude, chaque année passée, en pile monde toujours profiter pour yo planifier des objectifs pour yo, imaginer côté que yo t'a aimé arriver, des exploits que yo t'a fait, des bagages que yo t'a aimé changer. C'est justement pour ça qu'on a réfléchi sur transformation. C'est un bagage quelconque ou bien un monde quelconque qui sorti de yon état et puis qui prend un niveau différent, qui transforme. Et je souhaite que réellement année ça va être une année de transformation pour nous, dans tout sens dans vie, dans tout contexte dans vie, dans tout point dans vie. Mais pour nous parler de transformation, il y a un point qui est important si vous voulez être que monde pour ou prendre un niveau qui est plus élevé pour ou prendre un pas qui est plus élevé dans la transformation de vie. Il est important pour qu'on ait que première transformation qui doit faire là, c'est transformation dans relation avec bon Dieu, relation avec bon Dieu. C'est ça que fait aujourd'hui, je vais présenter trois pratiques essentielles pour transformer relation avec bon Dieu. Mais pour que ça soit important pour une relation, bon genre relation avec bon Dieu. Premièrement, on doit prendre compte que bon Dieu est un bon Dieu relationnel, son bon Dieu qui remet une relation avec le monde, il crée le monde et il décide de une relation avec le monde. La preuve est tellement grande que après le péché qui finit éloigner nous de la présence de Dieu parce que nature pécheresse est totalement dépamant avec la divinité, est totalement dépamant avec la sainteté de Dieu. Nature pécheresse la vient créer une distance entre nous-mêmes avec Seigneur. Et puisque bon Dieu c'est un bon Dieu relationnel, c'est un bon Dieu qui remet une relation, qui voulait une relation avec nous, les créer une stratégie pour lui permettre que nous tournions une relation avec encore. Lui créer une stratégie qui permette que nous réconcilions ensemble avec encore. Tout connaît très bien que stratégie ça que lui utiliser c'est petit lit Jésus qui vini qui mourit sous bois calvaire qui prend place nous qui mourit dans place nous à cause de péché nous pour le rétablir bon genre relation ensemble avec nous. Et donc, si bon Dieu qui crée nous, nous sommes bon Dieu relationnel, si bon Dieu qui crée nous, nos objectifs pour lier une relation ensemble avec nous, nous commettons un gros erreur et non pas intentionnellement, de nous pas choisi non seulement gagner une relation, ça, mais entretien relation, ça, nous pas fait maintenance dans la relation, ça. Gagner une relation avec bon Dieu, c'est comme si c'est avec un inconnu. Gagner une relation avec bon Dieu, c'est comme si c'est avec un ami loin. Gagner une, c'est seulement dans l'église ou bien seulement dans les difficultés, dans les problèmes, dans le songer que bon Dieu qui existait. Mais je dis, je voulais encourager ou pour faire bon genre maintenance dans la relation, ça, parce que c'est volonté bon Dieu même pour gagner bon genre relation ensemble avec vous. Quel que soit plan objectif que vous gagnez dans la vie ou pour année ça ou bien pour toute reste vie ou base réussite objectif ça les chita sous bon genre relation que vous gagnez ou bien que vous devez gagner avec bon Dieu. Si vous voulez transformer relation avec bon Dieu, première pratique essentielle là c'est développer une vie de dévotion. Important pour développer une vie de dévotion. Et certainement Chanel ça aide en ce sens parce que chaque matin profiter offrir aux opportunités pour débuter journée en dévotion, en méditation de la parole de Dieu. Lors débuter journée avec méditation, avec dévotion, leur développer une vie de dévotion ou prendre une décision intelligente pour faire maintenance dans la relation même avec bon Dieu. Pourquoi c'est important pour une vie de dévotion?
sous ces monde qui aime lire par exemple dans pile les vous lire côté que on série de auteurs monde qui dans pile crop monde qui créer des grandes entreprises monde qui on ka dit dans contexte monde là qui réussit monde qui millionnaire monde qui fait pile succès on peut monde ça toujours dire que combien important pour yo bon moment de méditation quotidiennement chaque jour le lever premier ça yo fait yo prend un temps yon espace à part pour yo méditer. Il y a là qui dit que yo fait yoga. Il y a là dedans qui dit que y a le gym et puis yo prend temps pour yo. Il y a là dedans qui dit que au moment de méditation, son moment côté que yo mettez à part, côté que yo ferme les yeux, côté que yo fait silence, côté que yo gon rencontre avec propre tête yo et puis yo gon rencontre avec un être supérieur. Yo définit le comme ça. Mais nous même qui chrétiens le problème c'est que le fait que nous gagnions libre accès pour nous aller au Seigneur, il vient tellement banal que nous pas mal sans importance. Tandis que monde qui pas même gagné avec bon Dieu, monde qui pas même chrétien, non seulement il fait utilisation de coutumes ça, de habitudes ça et il profite de lui positivement. Il est vraiment important, il est vraiment intelligent si on choisit intentionnellement. Si c'est où prendre décision pour débuter journée ou quotidiennement dans la présence de Dieu, ou prendre temps à part. Non seulement pour parler avec Seigneur, parce que nous avons pile de choses pour dire, principalement, leur considérer les problèmes, les difficultés, les nécessités, nous avons pile de choses pour raconter. Mais en pile fois, nous commettons des erreurs, seulement nous parler, mais nous ne prenons pas le temps pour nous tendre. Depuis une journée, on a un moment de méditation comme ça, c'est pas Seigneur, opportunité pour lui parler ensemble avec nous. C'est pas Seigneur, opportunité pour l'installer dans la vie où la paix qui sortit dans le lit. C'est pas Seigneur, opportunité pour lui orienter ou guider en prise de décision qu'on a bien pour prendre en journée ça qui pral ensemble de petites décisions ça yo pral définir résultat soit entreprendre l'autre choisit débuter journée en présence Seigneur ou bas Seigneur opportunité pour lui guider la vie et donc on est que laisse Seigneur cap mener vie ou certainement ou pas qu'à tomber dans tout. Le Seigneur qui a mené vie, certainement, ou pas qu'à tomber dans l'obstacle qui t'a paraît devant, pour qui ça? Parce que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux, le Dieu de Jacob d'Isaac, c'est bon Dieu qui a guidé la vie, c'est lui qui a mené. La Bible dit dans le livre Jacques, dans le chapitre 4, verset 8, leur prochain beaucoup de bon Dieu prochain beaucoup de Dieu. Donc on est bien que bon Dieu nous, son bon Dieu relationnel, il remet une relation ensemble avec nous. Mais les respecter monde si ou pas ba l'invitation si ou pas ba l'espace pour les manifester présence li dans la vie ou si ou pas ba l'espace pour les orienter à guider la vie ou les respecter décision et puis les camper loin vle encourager au matin dans premier stratégie ça premier pratique ça qui vraiment important pour ou et cap garantir au succès dans toute son entreprise c'est développer une vie de dévotion commencer toute journée ou avec la présence de Dieu. Deuxième pratique essentielle pour transformer relation avec bon Dieu, c'est développer une vie de prière. La Bible dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse. Gampil moun malheureusement qui mal interprété prière, gampil moun malheureusement qui pas vraiment comprendre ça ça veut dire prier. Il y a moun qui comprendre pour prier, faut y aller un côté spécifique, faut monter en montagne spécifique ou bien faut y aller non jeune spécifique. Ça pas gagner à ouais avec prière. Pour qui ça? Qui ça prière? Prière c'est façon que on gagne pour communiquer avec Seigneur. Une prière pas gagne un standard spécifique. Une prière pas gagne une façon spécifique. Prière c'est façon que on gagne pour communiquer avec Seigneur. Même j'en regarde là, même j'en parle ensemble avec là. C'est même j'en tout au printemps pour parler avec Seigneur. De la Bible, vous priez sans cesse. Certainement, vous pouvez marcher dans la rue avec deux mains en l'air et les amoureux font bon bruit, font scandale. Non, non. Prier sans cesse, c'est mener une vie côté que pas rien ou à faire, pas une décision à prendre, pas une route ou à faire, pas un choix ou à faire sans pour autant la présence de Dieu pas manifester dans la prise de décision. Ça. Prier sans cesse, c'est battre Seigneur à première place dans la vie parce qu'on a une conversation constante ensemble avec elle. En plus, il faut perdre du temps à parler avec monde qui ne comprend pas. En plus, il faut perdre du temps à parler avec monde qui ne peut pas aider. En plus, il faut perdre du temps à parler avec monde qui ne peut pas appuyer ou qui seulement juger. En plus, il faut perdre du temps à parler de monde. En plus, il faut perdre du temps à raconter la vie monde. Si tout le bagage est sans sens, ça, yo, au lieu de perdre du temps là-dedans, yo, ou de passer du temps en présence Seigneur, ou de passer du temps en développer un mode de vie de prière, certainement la vie est différente.
et on connaît que j'aime zolo grand pile plan pour année ça grand pile rêve grand pile bagaille que tu aimerais réaliser mais une façon pour garantir réussite bagaille ça concrétisation bagaille ça c'est l'on mener une vie de prière constante Jean la Bible dit prier sans cesse développer un style de vie côté que Seigneur est présent dans la vie constamment. Pour qui ça? Parce que vous faites de lion bons amis et conversation ensemble avec elle, pas de limite. Conversation ensemble avec elle, pas de espace spécifique. Conversation ensemble avec elle, pas de temps spécifique puisque vous toujours connecté ensemble avec elle. Vous toujours connecté ensemble avec elle. Vous toujours en conversation ensemble avec elle. Vous toujours constamment lié ensemble avec elle. Vous n'avez pas de temps pour faire bouche dans le bagage du monde. Vous n'avez pas de temps pour notre tripotaille. Vous n'avez pas de temps pour un bagage qui va faire plaisir. Parce que vous il prend première place dans la vie et certainement la quitter on a bagaille qui fait le plaisir et bagaille qui ca fort réussir. Troisième et dernière pratique essentielle pour renforcer pour transformer relation avec Seigneur, c'est développer habitude lecture de la parole de Dieu. Ça semble être vraiment difficile. Grand pile monde qui va tête non les chrétiens mais monde c'est seulement utiliser la Bible et seulement utiliser manuscrit ça manuel ça seulement l'œuvre de l'église si au songer côté lié. Ou pas comme ça. Ou doit faire de la parole de Dieu manuel qui guide la vie constamment. Ou doit développer habitude la caillou pour lire la Bible quotidiennement. La Bible dit dans Psaume chapitre 12 combien il est important pour méditer parole là jour et nuit. Parole de Dieu, la Bible pas caillon bagaille que utiliser leur songer. Non. Imagine-toi, nombre de temps que passé dans téléphone, on s'était passé temps ça dans la lecture de la parole de Dieu, bon garanti la vie est totalement différent. Et la lecture de la parole de Dieu pas doit faire seulement pour un chrétien. Non, ou capable même croire dans mon Dieu. Fait expérience avec moi. Ou capable même croire dans mon Dieu. Mais si vous lisez la Bible ou appliquez principe biblique, certainement la vie va transformer. Certainement va venir l'autre monde. Je tiens à vous encourager développer habitude c'est la caille, développer habitude lecture de la parole de Dieu. Ou ap grandi non seulement spirituellement, ou ap grandi non seulement dans transformation de relation avec Seigneur, mais ou ap grandi en tant qu'être humain, ou ap venir un monde qui différent, ou ap venir un monde que moun remet bon côté, ou ap venir un monde qui suit principe, qui respecte moun, qui applique principe qui kamene ou vers le chemin de la réussite. M'a conclu pour me dire que année ça sont année certainement de transformation, sont année que Seigneur a réservé en pile bagaille pour nous, mais en premier lieu dans un premier moment, transformer relation avec Seigneur. Puis gong une relation n'importe qui gens, puis gong une relation comme un monde loin non. Chercher des bons gens relation, bons gens communication, pendant on va appliquer trois principes ça, pendant on va prier sans cesse, pendant on va développer une habitude de lecture de la parole de Dieu et pendant on va chercher une vie de dévotionnel. Et me voulait accompagner pendant année ça dans recherche de vie dévotionnel ça. C'est ça qui fait ma vidéo, si pour qu'on fait ça, abonnez dans channel ça parce que chaque matin, soit il lundi vendredi, m'a présenté un coup de dévotion matinale, un coup de réflexion, méditation biblique pour nous débuter la journée dans la présence Seigneur. Merci infiniment, même qui abonné déjà, ou même qui fidèle avec contenu, partagez mes messages avec le monde, comme ça, vous pouvez bénir la vie de l'autre monde. Nous avons fait ensemble 52 semaines de bénédiction, 52 semaines de transformation. Bon Dieu bénis, rendez-vous cassé demain matin pour une autre dévotion encore.